Ah, et bien salut à tous et à toutes, ici Narco, oh, Otagi, aujourd'hui on est de retour avec Madame Narco. Et aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire un petit test entre les boissons originales. Donc je parle boisson originale Coca, Orangina et le 7-Up. Alors pourquoi pas une canette? Parce que bah j'ai pas trouvé une canette. Donc on prend la bouteille et en fait on va tester ça avec la version SodaStream. Donc là, tac, je vous mets la petite image filmée avec la GoPro. Donc on a la SodaStream qui est juste là. Avec, on a donc pour le Coca, le goût cola. Le voici, le voilà. On a ensuite pour la limonade, le goût limonade. Hop, si je mets bien droit, c'est mieux. Et ensuite pour l'orange, le goût, toi casse-toi, orange, que voici, que voilà. Bon, et du coup, en fait, on va préparer les sodas et on va... Madame Narco, en fait, va me faire goûter hein, en me servant dans un petit verre. Et moi, les yeux fermés, je vais vous dire à quoi ça appartient, si c'est SodaStream ou version originale, et ce que je préfère. Comme ça, on va voir, parce que concrètement, avec la SodaStream, je pense qu'il y a moyen d'économiser bien de la maille. Donc, on est parti, on va commencer juste par préparer les petits sodas. Alors, on va commencer par lequel? On va prendre... Alors, déjà, c'est lequel que tu préfères, toi? Limonade. Limonade, donc on va faire la limonade dans la grande. Hop. Comme ça, dans la grande, il y en aura plus. Comme ça, il y en aura plus dans le frigo. Et alors là, attention. Hop. Hop. Et on va injecter un petit peu de pression. On va partir sur deux pressions, c'est pas mal. De côté. Mais vas-y là. Hop. Yeah. On va prendre le truc à la limonade. Toc. On va doser un bouchonnès. Hop. Voilà, un bouchon, on va mettre dedans. On va le fermer. Et bien mélanger. Et voilà, on a notre limonade de prête. Ensuite, on va faire dans le rouge le coca. Avoue que tu vas me péter ma machine en fait. Non. L'autre sens. Mais c'est pas possible. C'est pas un cerveau. Mais ta gueule. Ah, donc là maintenant on va mettre une demi-dose parce que là on a des bouteilles plus petites en fait. Alors, El Coca. Je la sens pas quand même, mais pas tout. Hein. Non. Un demi-bouchon. Je te laisse lécher. Tu veux pas lécher? C'est ultra violent. Le coca. Et la toyaï. Tiens, et maintenant on va partir sur de l'orangina. N'oublie pas que quand tu vises d'un côté, tu dévises de l'autre. Merci, c'est gentil. Bah, je sais pas, depuis tout à l'heure, tu fais la gourde. Mais chute. T'as vu, j'ai réussi. Parce que je te l'ai dit, en même temps, deux fois que tu fais la gourde. Bon. Je lui parle même plus. Oh. Et pareil, un demi-bouchon d'orange.
Hop, voilà. Le demi, la moitié. Et on referme. Hop. Je te laisse refermer. Where is the respect? I don't know. Et on va mélanger. Donc voilà, on a nos trois boissons qui sont enfin prêtes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est simplement ouvrir l'Orangina. Voilà. Ouvrir le Coca. C'est jamais si ça explose, hein. Eh mais comme elle est méchante. Et ouvrir la 7-Up. C'est tellement bon. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que... Voilà. Alors, je mets ça ici. Je me décale un petit peu. Je te laisse le loisir de prendre les boissons que tu le souhaites. M'en servir un petit peu dans le verre. Elle va vous montrer devant la caméra ce qu'elle va me servir, en fait. Et puis, à moi de deviner ce qu'elle va me servir. On est parti. Je ferme les noeuds. C'est sûr qu'ils sont bien fermés ? Sûr et certain. Sûr, sûr ? Sûr, sûr. Ah, je triche pas. Voilà, regardez. Oui. Alors, pour avoir déjà goûté là, le SodaStream, niveau des bulles, c'est carrément chelou. Parce qu'elles sont très fines. Très pétillantes. Et ça mousse pas. Rien que là, j'entends la mousse. Déjà, c'est pas du SodaStream. Ça sent le coca. Et ça, c'est du coca industriel. C'était ça? Bah oui. Oh. Bon là, par contre, si tu m'en sers autant, je vais pas réussir à tout boire jusqu'à la fin. Allez, un point sur 6 pour moi pour l'instant. Je continue à fermer les yeux. J'attends le deuxième breuvage. C'est bon? Attends, deux secondes, je montre à la caméra et tout. Ah pardon. Tiens. Merci. Alors, ça sent rien. Oh, c'est, par contre, c'est vachement bon. Alors, c'est un goût de citron. Franchement, j'arriverai pas à dire. Alors, je goûte. Franchement, moi, je dirais, franchement, SodaStream, mais je suis pas sûr. Très franchement. C'est SodaStream. C'est ça? Ouais! Mais franchement, je pourrais vraiment, je suis pas sûr d'avoir fait la différence avec le 7-Up. C'est trop bon. Et celle-là, par contre, elle est vraiment bien bulleuse, tout bien comme il faut. Pécable, donc 2 sur 6. Je ferme les yeux. Ah, on entend les bulles. Mais j'en aurais dû te boucher les ça oreilles. Ça sent l'Orangina. C'est pas bon. Non, je déconne, c'est vachement bon. Alors, Orangina, enfin, c'est de l'orange. C'est de l'orange, bravo. Et oui, Orangina. C'est ça? Oui. C'est pas sucré, en fait. Ah, 3 sur 6 pour l'instant. On est bien parti, les gars. Mais voilà. Pour l'instant, donc j'ai vu un seul SodaStream au citron. Il était vachement bon. J'ai bu un Orangina, bof. Un Coca, bon, normal, mais industriel. Là. Enfin, cola. Cola SodaStream. Ouais. Tu vois? J'ai presque tout bu. Trop bon. Les meilleures limites. Vous savez à quoi ça me fait penser? Mais vraiment, est-ce que vous avez déjà bu le Coca chez KFC? Vous savez, le à volonté? Et bah de temps en temps, quand on appuie, bah en fait, c'est pas du Coca pur qui sort. C'est un mélange avec de l'eau gazeuse et ça a le même goût en fait que le Coca de KFC. Il y a pas que KFC, il y a McDo aussi. Il y a McDo, mais à McDo, ils blindent de glaçons et tout, on ne sent plus rien, c'est dégueulasse. Mais avec celui de KFC, je trouve moi personnellement super bon et très franchement pour moi le goût c'est le même et je le kiffe.
Alors attends, on va terminer ça. Ah. Comme ça, tu peux me mettre ce que tu veux à l'intérieur sans qu'il reste un petit peu de coca, parce que sinon, si on trafique le goût, oh, il va y avoir de l'arnaque. Allez, on se chauffe la langue. Pour bien goûter. On est opérationnel. Merci. Ça sent le citron. Mmh. 7-Up, 40%. Enfin, 400%. Il est ultra trop bulleux. Après, il est bon, hein. Très franchement, il est bon. Mais c'est trop bulleux. Mmh. Ah, mais il est bon. Mais vachement citron. Moi, franchement, c'est un avis personnel. Je préfère le citron de SodaStream. Hein. Alors attention, il n'y a absolument aucun partenariat avec SodaStream. Oh là les gars, au cas où, vous dites plein de ventes de produits narcotants, fils de... Il n'y a pas de truc, c'est juste qu'on voulait tester la différence. Et comme c'était l'anniversaire de ma chérie, et ben, en fait, la vidéo, là je la tourne 16, elle sera disponible le 17, et ben le 17 c'est son anniversaire. Alors tous dans les commentaires, vous lui direz bon anniversaire, et en fait c'est son cadeau d'anniversaire. Voilà, et maintenant, encore vas-y, fais-moi, je crois qu'il reste un truc du coup. Hein. Oui. Mais ça doit très certainement être le SodaStream à l'orange. Et si c'est ça, vas-y. C'est trop bon. Bah, il est. Oh merde. Eh ouais, j'ai les yeux fermés. Qu'est-ce que tu prends? Moi, je triche pas. Ouais. Ah, je me suis fait mal. Trop bon. Bah oui, SodaStream orange, c'est tout ce qui est resté. Trop bon. Oh. Ah bon, ben voilà du coup. Petit test. La moustache qui part en steak. Alors les gars, arrêtez de me dire dans les commentaires rase-toi un narco, parce que non, j'aime ma barbe. Ma barbe est belle, non? Oui, ça va. Elle l'a dit avec tellement de... Ouais, t'as vu, elle est bien. J'en veux plus, tu me parles que de ça. Et donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc, comparaison SodaStream versus commercial. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Défoncez la barre de like comme d'habitude. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à partager sur tous les réseaux sociaux la vidéo. Putain, je vais taper la canette. On va en foutre partout sur l'ordinateur. Ça va être le bordel. C'était Narco avec Madame Narco. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Pense à t'abonner gratuitement à la chaîne YouTube Narcotag en cliquant juste ici pour ne pas louper les prochaines. Tu peux également cliquer ici pour accéder à la playlist de la vidéo. Tu peux aussi cliquer ici pour visionner la dernière vidéo publiée. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter pour ne louper aucune information concernant la chaîne. Et si le cœur t'en dit, tu peux effectuer un petit don pour aider la chaîne à évoluer.